Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Bienvenue sur les guidances de Chandra. Bienvenue pour les tirages du mois de février 2023. Alors, on va terminer demain. Comme ça, je pourrais commencer les tirages sentimentaux. On va regarder aujourd'hui pour les Gémeaux ce qui se passe pour ce mois de février. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ce sera votre tirage donc général. Les tirages sentimentaux, on les fera à part. On va regarder pour ce tirage des énergies ici pour commencer les énergies principales avec le tarot psychique, l'oracle des énergies. On va faire un tableau avec le petit Lenormand à 13 cartes. Ensuite, on va regarder avec la triade ce qui se passe pour vous avec l'oracle 2G au niveau des énergies. Et puis, un message des guides pour terminer. Donc, restez bien jusqu'au bout. C'est un tirage complet. Et c'est pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à aller regarder les as votre ascendant. Si vous êtes ascendant, par exemple Capricorne, regardez votre tirage Capricorne février 2023 pour les plus de 40 ans. Ça pourrait vous surprendre et vous parler plus que votre signe solaire. Et découvrir que c'est plutôt votre ascendant qui vous parle. Donc bienvenue à tous sur les guidances de Chandra. Merci pour les nouveaux d'être présents. Un grand, grand merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer la cloche du haut pour recevoir les notifications. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Et puis j'ai décidé que la personne qui demandera une guidance pourra demander un de ces deux jeux que j'ai à double. N'hésitez pas de me l'écrire dans le mail. Voilà. Je l'offre avec la guidance. Petit cadeau. Alors, on y va pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe en février 2023 pour vous? Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux pour le mois de février 2023. Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux pour le mois de février 2023. Oh, la réussite. Vous avez déjà une bonne énergie dans le tirage de la semaine. Je vous invite à aller les voir. Si vous n'avez pas vu, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Vous avez des bonnes énergies, un bon renouveau, un beau renouveau. Vous retrouvez, je crois que c'était un des meilleurs tirages d'ailleurs de la semaine. Gémeaux pour le mois de février 2023. Alors si vous m'entendez un petit peu avec le nez bouché, vous étonnez pas parce que je suis un petit peu enrhumée. Désolée, c'est la vie, hein, avec ces changements de température et tout ça. Alors, ici pour votre tirage, première énergie, on nous explique qu'il y a du changement par rapport au passé, qu'il y a eu certains obstacles sur votre chemin, des arrêts, des pauses, périodes compliquées, arrêt peut-être d'une relation, arrêt d'un travail, une pause, recherche d'emploi. Parce qu'on voit ici que le chemin, votre cheminement a été arrêté à un moment donné. Mais on voit que pour ce mois de février, vous allez reprendre, vous allez continuer, vous allez en fait pouvoir continuer sur après cette épreuve, après ce blocage, hein, après cet obstacle, challenge, ça peut être aussi une montagne qu'on pourrait représenter. Il y a eu des choses compliquées qui vous ont mis un peu en retard sur votre chemin, mais vous avez la superbe carte d'avancement. Ici avec le cheval, donc assez rapidement, il y a une amélioration qui va se faire en février. Vous aurez une réussite. Et en tout cas, les choses vont s'améliorer pour vous. Voilà, ces problèmes de blocage, d'attente, de renfermement, de déprime, peu importe ce qui vous est arrivé, les Gémeaux, il y a eu une espèce de retard, d'obstacle, de challenge sur votre chemin de vie. Ça se débloque, ça va aller rapidement vers quelque chose qui vous réussit cette fois en février. Alors, les Gémeaux pour le mois de février 2023. Gémeaux, février 2023. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, février 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février, les Gémeaux? Alors, on va voir. Prendre deux cartes. Alors. Que nous dit ici l'oracle? Juste voir le tarot psychique, on parle qu'il y a eu peut-être quelques difficultés au niveau de votre ancrage, les Gémeaux. Je ne regarde pas toujours.
Là, on a... Il y a l'abondance qui revient pour vous, hein, une ouverture à l'abondance. Alors, au niveau des énergies, on a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël, il y a une guérison qui s'opère au niveau peut-être de l'amour de soi, de l'amour que vous avez pour autrui. Mais je pense qu'il y a peut-être une notion de confiance, d'estime de soi, hein, d'amour de soi ici. Ou amour envers un partenaire. Avec la carte des hostilités, vous allez peut-être devoir défendre certains points de vue. Vous allez peut-être devoir défendre votre relation, défendre vos valeurs en amour. Quelque chose comme ça. Hein, ne pas empiéter, que personne n'empiète sur ce que vous avez comme valeur aussi au niveau amoureux. On voit qu'il y a une guérison qui a été faite, hein, une amélioration par rapport au cœur. S'il y a eu une tristesse, s'il y a eu un décès, s'il y a eu des choses difficiles. Là, avec les hostilités, c'est voilà, il ne faut pas marcher sur les pieds, il ne faut pas vouloir me changer. Hein? Donc, les Gémeaux, semaine, pardon, février 2023, Gémeaux. Oups là, il y a des choses qui vont arriver, qui vont aller rapidement maintenant. Les choses bougent. La chance est de votre côté. Donc voilà, après une période compliquée, difficile, fin d'année 2022, là, il y a vraiment du bon et du renouveau rapide. Ça ne va pas tarder 3 mois. Hein. Ça commence rapidement là en début d'année. Ça peut être donc au niveau des énergies un petit peu maintenant, un peu, parce qu'on est en fin janvier, jusqu'à la mois de mars. Donc c'est des énergies qui ne sont pas fixes. Hein. Alors, on y va, Gémeaux pour le mois de février 2023. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour le mois de février 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez doublement la protection pour vous. Vous avez la carte de la chance et puis vous avez la carte ici de l'étoile. Donc, l'étoile vous guidera, vous protégera s'il y a des embûches. Ça concerne le relationnel, donc bien l'amour. Ici, ça, il y a quelque chose au niveau du cœur, hein, au niveau de l'amour, l'amour retrouvé, une nouvelle relation qui arrive. Ça vous concerne. Alors, on va faire tirage à 13 cartes. Donc, pour vous, chers amis Gémeaux, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Alors, soit bien visible. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, on les a super bien là. Alors, par quoi on commence ce mois de février? Bon, la chance, définitivement, hein, elle est là. Hein. La chance, elle est là. La bonne étoile, elle est là. Vous êtes protégé en cas de coup dur. C'est comme si la roue tournait enfin en votre faveur. Les choses compliquées ou les obstacles sont dépassés. Là, on voit un peu le passé quelque part, ce qu'il y a eu. Hein. Puis, les hostilités, ce n'est pas qu'il y aura forcément des conflits, c'est possible, mais je vois plus, je défends mon point de vue face à des gens peut-être qui désirent me changer ou me voir autrement, voilà, par rapport à l'amour ou protéger mon couple, quelque chose comme ça. Donc, on a la chance qui va nous aider ce mois-ci à trouver des solutions, à solutionner certains problèmes ou certains blocages. Vous retrouvez une paix enfin ce mois de février, une paix intérieure qui vous fera du bien. Je ne sais pas si je vous ai dit de regarder votre tirage de la semaine du 16 au 22 qui donne beaucoup d'informations vu qu'il vient d'être fait. Donc, ça peut être très proche de ces énergies. Là, on voit le jardin, c'est la paix intérieure. On est bien, on est mieux avec soi-même, on se fait moins de soucis.
avec l'arbre aussi, on a la chance qui nous accompagne, qui nous donne la possibilité de retrouver confiance en la vie, retrouver notre ancrage, retrouver notre bonne vitalité, si on a été déprimé ou renfermé ou autre. Avec la paix intérieure et la force ici de l'arbre, l'ancrage et l'alignement, on est beaucoup mieux dans notre peau. Alors, on nous parle d'argent ou d'abondance. Il y a l'abondance qui revient. Ça peut être une abondance de personnes autour de vous. Ça peut être l'abondance de bien-être, une abondance d'argent aussi. Peut-être un solutionnement au niveau des finances. Oui. Parce que, alors, soit ici, il y a eu des blocages en rapport avec des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, de la manipulation, des mauvaises langues. J'avais dit plusieurs fois qu'il y a eu des mauvaises langues concernant les Gémeaux, hein, qui n'ont pas très bien parlé de vous, qui vous ont jugé. Là, on voit que j'ai l'impression qu'on retrouve une espèce de paix, et la clé pour avancer, pour sortir de cette problématique. Là, on nous dit que c'était peut-être en lien avec donc une personne, un lien, un partenariat dans une relation maritale, de couple, partenariat professionnel, un lien avec un ami, des amis, en rapport donc le blocage. Hein. Mais la chance revient, donc je vous dis la roue tourne. Ce qui est bien pour ce mois, bon. Je vais prendre une autre carte. En fait, c'est la carte du dos de deck, là. Ce qui s'appelle le Tanis le Normand. Eh bien, je pensais que c'était une carte du jeu. Alors, on va prendre une autre carte. On y va. Pour les Gémeaux, une carte supplémentaire pour ce mois de février 2023. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Une carte supplémentaire pour février 2023. On y va. Ok. Donc, on voit que là, il y a du mouvement, je vous avais dit, il y a une espèce de rapidité, des choses qui vont avancer, qui se débloquent rapidement. On peut voir deux choses, on avance vers du neuf, vraiment on avance, ou on quitte une situation qui n'est plus là, hein. Il n'y a plus de blocage. On a solutionné quelque chose au niveau financier aussi, où il y a une amélioration financière là qui arrive en février. Il y a une amélioration de vos finances qui vous apporte une certaine paix. Alors, on coupe avec certains amis. Oui, il y avait un entourage malsain, des personnes toxiques, des gens qui vous mettaient des bâtons dans les roues, qui vous ont bloqué, qui vous ont jalousé. Vous coupez avec ces personnes, c'est très important ici. Hein? Vous voulez vraiment plus revoir ce passé. Donc, peut-être cette histoire d'hostilité en rapport avec des personnes ou un lien, des gens avec qui vous aviez quelque chose. Un lien d'amour ou autre, d'amitié, en tout cas lié avec le cœur. Vous coupez avec ces personnes. Vous arrêtez cette relation. On voit que ça vous a mis un peu en déprime. Vous avez dû vous remettre en question. Vous avez été enfermé, vous avez été bloqué, challengé pendant un moment. Dans une histoire de lien avec autrui. Où il y a eu peut-être de l'infidélité, hein, parce que là on voit carte 9. On peut dire soit, moi j'ai l'impression que c'est peut-être des amis autour de vous qui vous ont jalousé, qui vous ont bloqué, des faux amis, qui vous ont trompé. Hein. Et ça se termine. Ça se termine, on prend le large. La chance revient de votre côté, donc en votre faveur. Je vous ai dit vraiment, je sens la roue qui tourne là. Il y aurait une infidélité, une trahison. Il y a encore peut-être quelque chose à régler ou des pensées hein, qui sont encore ce mois-ci présentes. Ou en tout cas, il y a quelque chose que vous solutionnez. Puis pour moi, c'est vraiment ce blocage. Ce blocage qui est là, que vous solutionnez en coupant les liens avec ces personnes et en avançant. Et il y a bien là cette situation, on termine ben, cette histoire du passé pour aller vers. Vraiment, c'est une notion ici de fin de renouveau. Bon,
Ça fait déjà un petit moment que ça existe, mais cette histoire de blocage était encore là en janvier, des gens qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Là, vraiment, vous coupez, vous retrouvez la paix. Il y a une fin. Vraiment, cette situation se termine. Hein. Fin d'infidélité, on avance, la chance revient. Peut-être encore quelques soucis, mais sinon, je sens une rentrée d'argent là pour vous. Rentrée d'argent, une amélioration financière. Quand vous trouvez des solutions, s'il y a eu des difficultés ou si ça vous a bloqué dans le passé au niveau finance, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. En dos de deck, il y a du courrier officiel. Donc, il y a quelque chose qui vous est dû ou qu'on va vous donner, peut-être financièrement. Un courrier administratif. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. Et puis, en tout cas, la situation de jalousie, de mauvaise langue, de blocage dû à un entourage assez malsain se termine. Et vous décidez, parce que vous avez décidé de couper, en tout cas, on vous conseille de couper les liens, hein, c'est des mauvais liens. Les Gémeaux. Gémeaux pour le mois de février 2023. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message? Oui, il y a eu de la peine, il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir, les Gémeaux, dans un passé proche ou les 6 mois précédents. Il y a eu des choses assez complexes. Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, pour le mois de février 2023. Février 2023, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Février 2023. Février 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Nouveau commencement. Alors, oui, il y a vraiment. On ferme la boucle. Vous avez fait des erreurs. Vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous avez peut-être été puni, entre guillemets. On vous a dénoncé. Maintenant, vous avancez, hein, on a bien vu cette histoire et vous avez la réussite. Mais vous avez peut-être croqué la pomme quand peut-être une situation où vous avez fait ce qu'il fallait peut-être pas faire, que vous avez payé, entre guillemets, quelque chose qui vous a bloqué ou on vous a jugé. Mais là, on reprend le dessus, vraiment un tout nouveau commencement avec l'alpha. Pour ce mois de février. Alors, Gémeaux, février 2023. Il y a bien eu de la douleur, il y a bien eu de la trahison. Le chien, pour moi, quand il est en œuf, c'est une infidélité qui se termine, hein. Une trahison, on vous a planté un couteau dans le dos, il y a des gens qui vous ont lâché en chemin. Donc, il y a bien un démarrage, hein, parfait là pour vous. Ça vous a touché le cœur, ça vous a affecté. Pour moi, c'est quelque chose de familial, amical ou sentimental. On va devoir prendre une nouvelle route. Donc, on avance, hein, ici, mais qui vous mènera vers la réussite. Donc, bien sûr, on coupe avec certaines personnes pour aller vers d'autres qui sont positives. Parce que normalement, là, il doit y avoir une espèce d'apprentissage. Ça concerne bien un partenariat, une union, un lien avec autrui. Ou peut-être vous avez dû vous sacrifier. Ou vous allez faire le choix de vous unir à d'autres personnes, mais qui vont exiger un certain sacrifice de votre part. Il y a une nouvelle direction à prendre ici. Ça ne me parle pas vraiment d'un domaine particulier. Ça parle vraiment de vous et de l'amour pour vous-même et pour autrui. Où il y aurait eu vraiment cette infidélité, cette trahison. Là, on doit prendre une nouvelle voie, savoir vers quoi on va se diriger, comment on va construire nos nouveaux liens. Hein, vraiment, comment on va construire nos nouveaux liens. Et pour ce démarrage, on nous dit quand même qu'il y aurait quelque chose à sacrifier. Alors, je ne sais pas quoi. Je vais voir si je peux avoir une info supplémentaire. Sacrifier quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est des sacrifices que vous avez dû faire dans le passé, mais j'ai plus l'impression qu'on vous a fait du mal.
Ou est-ce que vous devrez sacrifier, je ne sais pas, un peu de votre temps de travail pour retrouver des liens plus forts au niveau de tout ce qui est lien, fusion, mariage, amical, professionnel, partenariat. Cela, vous vous défendez, vous protégez quelque chose. C'est aussi possible que vous devriez vous sacrifier par rapport à une situation. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me commenter, chers amis, pour me dire si vous pensez que vous devrez vous sacrifier ou si vous avez dû vous sacrifier. Mais souvent, ça part du passé vers le futur. Donc là, on dit que c'est possible qu'il y ait un sacrifice à faire pour retrouver une union plus positive au niveau du cœur, pour prendre une nouvelle route. Hein. On est vraiment dans une période de choix. Je vois ce que me dit l'oracle de G, là. En tout cas, nouveau départ, ça c'est sûr. On retrouve des meilleurs liens. Gémeaux, février 2023. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux pour le mois de février 2023. Février 2023 pour les Gémeaux. Février 2023 pour les Gémeaux. En fait, sa victoire. En fait, cette réussite. Oui, en fait, si c'est pas une fête, on va dire à proprement parler, c'est gain de cause, réussite. Il y en a une qui s'est retournée. Oui. Sur des personnes médisantes, sur quelque chose qui vous a blessé assez profondément, hein, qui vous a rendu malade, qui vous a rendu mal psychologiquement ou physiquement. Les Gémeaux, février 2023. Je vais regarder la coupe. La chance est avec vous, je vous l'ai dit. Alors, saisissez votre chance ce mois-ci pour passer en avant. Dépasser les obstacles qui sont derrière vous. La chance vous permettra de créer de nouveaux liens et de prendre une nouvelle route. Saisissez cette chance, hein, l'inconnu, une chance, c'est aussi jouer au loto. Et puis on voit qu'il y a une harmonie ici qui revient par rapport à des gens qui étaient faux, qui portaient un masque. Et puis les deux dernières cartes ici. La chance est vraiment de votre côté. Saisissez cette chance, ces opportunités. Il y a bien un renouveau après une période difficile. Vous voyez deux fois la dague, il y a quelque chose qui vous a vraiment... qui vous a été planté dans le cœur au niveau d'un lien par des amis, par rapport à des gens que vous aimiez visiblement, mais qui a eu trahison. Ça vous a rendu mal, ça vous a fait beaucoup penser, hein, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je dois subir ça. Obstacle, vous avez vraiment vécu un obstacle qui a coupé un peu comme votre vie en deux. Et là, on parle bien de renouveau qui arrive en ce mois de février, de naissance. D'un nouveau chemin de vie, on peut voir ça aussi, hein, comme ça, naissance d'un nouveau chemin de vie. Vu que c'est assez général ce tirage pour vous, pas forcément, disons adaptez-le si c'est pour le travail, si c'est pour la santé, votre état d'esprit, vos liens avec autrui. En tout cas, moi je le sens au niveau des liens avec autrui ou amour. Alors, quel conseil pour les Gémeaux pour le mois de février 2023, quel conseil pour les Gémeaux? Gémeaux, février 2023, un conseil, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Ouais, vous allez enfin vous épanouir, magnifique. C'est l'épanouissement après la période de renfermement. Hein, on avait eu la tour. Vous êtes juste en train de commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment un démarrage, mais assez rapide quand même. Vous allez commencer quelque chose. Alors, ayez la patience quand même. Vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de vous épanouir, mais ayez la patience quand même avec vous-même et au processus qui se passe pour ce changement. Et ne laissez pas tomber. Ne lâchez pas l'affaire. Allez vraiment dans cette direction, chers amis Gémeaux. Merci bien pour vos retours. Je me réjouis de vous lire et on se retrouve pour les tirages sentimentaux. À bientôt. Au revoir.